Pour une vidéo que je vais faire une fois par mois, une vidéo assez spéciale, en fait, ça va être du zap, et du zap un petit peu de tout, et des choses marrantes. Bref, j'espère que celle-là va faire beaucoup de vues, que celle-là va vous plaire, bon, toi. J'espère une bonne écoute et une bonne vidéo. Une collection d'erreurs monumentales, de stratégies douteuses, de ratés mémorables et d'ahurissants buts marqués contre son camp. De ce que vous n'auriez jamais pensé voir hors d'un terrain et ce que vous n'auriez jamais pensé voir sur un terrain. Voici le best-of des moments les plus drôles du football. Commencé par les gardiens de but et Jens Lehmann, le comique du football qui divertit tant les enfants. Quelqu'un a commandé un clown. On peut parler qu'après coup, Jens a dû en rire. Jaune. Voici Matt Baker, le gardien de Wrexham, démontrant un don de communication quasi télépathique avec son arrière. Regardez à quelle vitesse il revient dans son but juste avant pour voir Gray placer le ballon juste dans le coin avant d'éclater de joie devant des centaines de spectateurs enthousiastes, mais à bonne distance. Regardez, Baker est si lent à revenir qu'un de ses coéquipiers tente de sauver le coup. Gillingham contre Portsmouth. Il n'y a maintenant plus qu'une seule personne qui puisse battre à cette distance. Jamie Ashdown, le gardien de Portsmouth, et c'est Jamie Ashdown. Vas-y, Guiston, vas-y, je suis prêt, je l'ai. Allez, où il est? Ah bah, il est là. Tottenham, Newcastle, 1964. Et c'est la première sélection de Tony Bell, le gardien de Newcastle, en ligue. Il n'y avait que deux choses à ne pas oublier ce jour-là. Pense à fermer le gaz à la maison et tâche de ne pas totalement te ridiculiser au boulot. Après ça, les fans de Newcastle ont exigé qu'on érige une tribune, non pas en son honneur, mais sur lui. Ici, il est difficile de savoir quelle est la pire erreur faite par Adam William, gardien de Benfica. Était-ce de s'engager si loin de sa ligne ou de porter les pantoufles de son père lors d'un match si important? C'est sûrement très confortable pour monter ou descendre les escaliers. Ça glisse! George Wood, gardien de Crystal Palace, illustre le principe « Si tu ne réussis pas du premier coup, foire-le complètement !» Regardez comment il avance sans être marqué par aucun joueur d'Aston Villa, place le ballon juste sous leurs pieds et accompagne le tir droit dans ses propres filets. Ça, c'est être multitâche. Si Jackie Chan n'a jamais fait de film sur le foot, c'est parce que ça ne se mélange pas avec les arts martiaux. Devant moi la naine, Preston vous le prouve. Cet horrible tir raté offre une occasion d'or à Stuart Barlow. Manchester United a gagné plus de trophées que n'importe qui en Angleterre ces 15 dernières années. Mais ils ont aussi fait des erreurs. Qui est le gardien coupable ici? Allez, Barthez, résiste, résiste! C'est pas plus difficile que ça pour parler du gagnant. Oh, pauvre Fabien! Mais que faisait-il? Il aimait un taxi? Non, franchement, il aurait pu attendre la fin. Dans un stadium comble, on voit Tom Heaton, le goal de Swindon, se précipiter hors de ses limites pour récupérer un tir de loin. Et le rate complètement, permettant à Portval de marquer. Où courait-il? Et pourquoi? Encore un peu, et il aurait dû payer pour rentrer sur le terrain. Ici Gordon Marshall, gardien de Kilmarnock, fait l'erreur fatale pour un goal de laisser filer le ballon entre ses mains et ses pieds, jusque dans les filets. Bon, continuez comme ça, Gordon, et vous allez donner mauvaise réputation au gardien écossais. Au cours de
ce match entre Ipswich et Queen's Park Rangers, le gardien d'Ipswich, Kevin Davis, trouve que passer trop de temps sur un ballon peut être fatal. Il n'a qu'à frapper le ballon pour qu'il atterrisse sur la tête de quelqu'un. Allez, vas-y. Voilà, c'est fait. Je suis content qu'il apprécie l'humour de la situation. Son manager, sûrement beaucoup moins. Mais à quoi tu pensais, Kelvin? Voici une manœuvre complexe de Bundesliga et cette démonstration du goal numéro 1 de Stuttgart l'est encore plus. Ah, c'est le numéro 25. Ah ben c'est le tout. Bien sûr, les Gaules ne commettaient jamais d'erreurs dans le temps, nous. Voici une classe de maître dans les années 70, Sheffield United contre West Ham. Ça n'a peut-être pas tant changé que ça. Regardez Dubrond renvoyer ce tir canon en plein dans son propre but. Ah, voici le grand Peter Shilton. Le ballon en avant et semant la panique à l'autre bout. Ah, pauvre Tom McAllister qui réussit seulement à récupérer la balle dans son propre but. Tiens, regardez le panneau derrière la cage. Ah, c'est beau de voir que la publicité était en plein dans l'île. Qui allez-vous appeler? SOS Chasseur de Victoire. En arrière. Peter Schmeichel, le légendaire goal de Manchester United, donne un coup de main à Barnsley pendant un match de coupe. Splendide triple bouquet piqué et non loin magnifique glissade. On a tous entendu dire que le public est le 12e homme dans un match de foot, mais jamais le terrain. Que dites-vous de cette passe?